Alors, tu vois, face à tant de paroles optimistes, moi j'avais un petit peu envie de quitter la grisaille du Nord, toi. J'ai envie de passer au-dessus des nuages, envie de soleil, envie de ciel bleu, envie de m'enfuir, quoi, c'est tout. Et le meilleur moyen pour passer au-dessus des nuages, c'est quoi? Hein? Ben oui, c'est l'avion. Alors, face à mon insolente beauté, à mon harmonie taille-poids exceptionnelle, eh ben oui, c'est l'avion que j'ai choisi. Devenir steward. Et j'ai tout fait pour être steward. Et ça a bien marché parce que aujourd'hui, je suis steward. Enfin, steward. Hôtesse de l'air à couilles. Et puis bien, bien, je te jure, j'ai gommé mon accent, je parle bien, je fais « Bonjour, bienvenue à bord. » Et puis de temps en temps, ça revient. Un verre d'eau, hein. Ou de temps en temps, je fais exprès quand les gens, ils parlent mal. Parce que des gens, ils parlent mal, hein. Aussi, il y a des flopés de gros cons, hein, t'es pas dans les avions, hein. Quand je parle mal, je fais exprès, je fais « Quoi? Qu'est-ce que vous disiez? Bah bien, qu'est-ce que vous disiez? Vous voulez des journaux, hein? C'est froid, vous voulez que je te fais réchauffer votre cassolette, hein? Non, parce qu'il y a des gens, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils soient désagréables avec les hôtesses et les stewards. Si tu te prends des réflexions, des fois c'est depuis quand recrute des paysans dans les avions? Bah depuis qu'on transporte des bœufs. Quand est-ce qu'elle décolle votre poubelle? Tu dis, bah, on finit de charger les ordures et on y va.